peu intimidé par les mastodontes que sont Futurama et Rick et Morty, Olan Rogers fait ses premiers pas dans le monde des séries animées avec Final Space, un space opéra qui jongle entre une dramaturgie hollywoodienne assez ambitieuse et un humour régressif calibré pour parler à la génération YouTube. Allons faire à ce cher Lord Commander un second trou du cul. Ouais, et pourquoi pas un troisième? Ou même un quatrième, ou alors... 10. On peut aller jusqu'à 10 trous du cul bien larges comme il faut. Le parallèle que je viens de faire avec YouTube n'est pas gratuit, puisque Olan Rogers est un créateur qui s'est fait connaître sur la plateforme. Depuis 2010, le jeune américain a en effet réuni près d'un million d'abonnés sur sa chaîne, grâce à des sketchs, mais aussi des courts-métrages, dont certains étaient réalisés en animation. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'aventure Final Space a débuté, le 5 avril 2016, lorsqu'il a partagé sur sa chaîne le pilote de ce dessin animé. Selon ses propres dires, c'est une idée qui lui trottait dans la tête depuis un bon moment, 2006 précisément, époque à laquelle il avait déjà réalisé quelques essais avec les moyens du bord. 10 ans plus tard, il a donc profité de sa nouvelle notoriété pour ressusciter ce projet de jeunesse grâce à un court-métrage de 7 minutes assez intrigant qui laissait déjà transparaître un fort potentiel, que ce soit en matière de réalisation, mais aussi en matière de narration. Et d'ailleurs, les sociétés de production ont rapidement identifié ce potentiel puisque dès le lendemain de la diffusion, il a été approché par la profession. Adult Swim aurait été sur le coup par exemple, mais Rogers a finalement choisi Konako, la boîte de production du célèbre présentateur Conan O'Brien, qui est affilié à la chaîne TBS, c'est-à-dire Warner Bros. Pendant 2 ans, Rogers et ses équipes ont donc développé une saison de 10 épisodes jusqu'à la première diffusion américaine en février 2018. Ensuite, la série a été adaptée en français et diffusée à partir de décembre 2018 sur Warner TV, disponible sur les offres du groupe Canal+, et récemment, elle vient de débarquer sur Netflix. Alors Final Space, c'est quoi exactement ? C'est une série de science-fiction feuilletonnante où l'on suit le personnage de Gary Goodspeed, un loser intergalactique persuadé d'être un mec cool, mais qui purge une peine de prison de 5 ans dans un vaisseau où il n'a pour seule compagnie que Kevin, un robot pot de colle et pas très futé, et Yu, une intelligence artificielle un peu sadique. Mais sa destinée change lorsqu'il rencontre par hasard Mooncake, une créature verte adorable qui est pris pour cible par une armée de mercenaires mandatés par le terrible Lord Commander. Gary va alors être entraîné dans une aventure qui le dépasse pour tenter de protéger Mooncake et comprendre la vraie nature de cette petite chose qui semble liée au destin de l'univers lui-même. Oui, ça. Mooncake ? C'est quoi un Mooncake ? Lui ! Ça ? Oui, ça ! Me dis pas que tu as donné un nom à E35-1. C'est quoi un E35-12, je sais pas quoi ? Ça ? Lui ? Oui, ce truc-là ! Dans ce cas-ci. Tu n'as même pas idée de ce que c'est. Avant de parler plus en détail de ce qui m'a dérangé et de ce que j'ai apprécié durant cette première saison, j'ai envie de souligner que Final Space mérite qu'on s'y attarde, car c'est une vraie série d'auteurs qui impose sa vision et son univers avec panache. En d'autres termes, qu'on adhère ou pas, il faut reconnaître qu'Olan Rogers et ses équipes sont allés au bout de leur idée, et ça c'est cool. Contrairement à Désenchanté, pour prendre un exemple récent sur ma chaîne, à qui je reprochais justement de manquer de caractère. Par contre, le dommage collatéral d'une telle démarche est de créer une œuvre clivante. Et perso, autant j'ai adoré le storytelling et la mise en scène hyper cinématographique, autant j'ai été pas mal dérangé par l'humour lourdingue omniprésent. En intro, je parlais d'humour génération YouTube pour décrire celui de Final Space. Alors c'est un peu réducteur comme formulation, et je ne pense évidemment pas qu'il y ait un seul type d'humour sur la plateforme, mais par là j'essaye de décrire cette manière de faire rire assez en vogue, et j'ai l'impression destinée à un public plutôt adolescent, qui va jouer sur les leviers du malaise, ou du cringe comme on aime à le dire désormais, mélangé à des blagues ou des situations volontairement nulles ou un peu graveleuses, mais qui justement deviennent drôles parce qu'elles sont dites avec beaucoup d'ironie ou mises en scène avec des intonations théâtrales ou risibles. Bref, c'est un peu la recherche permanente du moment what the fuck, comme on le retrouve aussi dans ces dialogues bourrés de digressions improbables et que moi personnellement je trouve vite lassant. Robot sexy. C'est un réfrigérateur, Gary. T'es sûr ? Parce que j'ai eu des conversations sacrément profondes avec elle. Elle sait absolument tout de moi. T'as intérêt à la fermer, espèce de robot mythomane ! Et le personnage de Gary porte à lui tout seul cet humour, puisqu'il est l'incarnation de la lourdeur et du malaise.
En VO, il est interprété par Olan Rogers lui-même, qui surjoue à fond, ce qui peut être assez vite irritant. En français, c'est le comique Baptiste Le Caplain qui double Gary, et même s'il suit globalement la ligne directrice de Rogers, il m'a paru beaucoup plus nuancé. D'ailleurs, globalement, je vous recommande la VF, qui est très chouette, même si en VO, on a des guests assez cool, comme David Tennant ou Roll Perlman. Bref, tout ça pour dire que si vous n'adhérez pas à ce genre d'humour et que vous trouvez ça un peu trop puéril ou trop graveleux, vous risquez de vite décrocher, car comme je le soulignais plus tôt, la force et la faiblesse de ce cartoon est de ne pas faire dans la demi-mesure. Cependant, et c'est là toute la schizophrénie de Final Space, l'histoire et la manière dont elle est racontée vont au fil des épisodes transformer cette farce un peu bas du front en une épopée captivante et bizarrement presque subtile. Car en effet, Olan Rogers, peut-être encore plus qu'un créateur de dessins animés ou un humoriste, semble d'abord être un conteur dans l'âme. Ça se ressent par exemple dès l'introduction de chaque épisode, qui sont des magnifiques flash-forward se plaçant à la fin de la saison et où on voit Gary dériver dans l'espace en attendant la mort. Ces séquences ne sont pas anodines et elles insufflent quelque chose d'épique qui nous indique que Final Space n'est peut-être pas qu'une comédie spatiale lambda, d'autant que leur mise en scène est vraiment travaillée. Et c'est là d'ailleurs qu'on se rend compte que ce dessin animé repose avant tout sur des codes cinématographiques. Que ce soit les cuts, les mouvements de caméra, les dialogues, les backgrounds, qui sont d'ailleurs des vraies photos de la NASA, tout semble s'inspirer du 7ème art. Et ça, Olan Rogers ne le cache pas, tout comme ses influences dans la science-fiction contemporaine, qui sont omniprésentes, de Gravity à Sunshine, en passant par Moon ou H2G2, mais surtout Interstellar, dont le sens de la dramaturgie et la gestion des émotions imprègnent un bon nombre de scènes. Quant à l'animation, elle est plutôt à la hauteur de cette ambition, même si à titre de comparaison c'est moins flamboyant que du Rick et Morty, ou moins créatif que du Futurama. Mais j'ai trouvé la gestion des couleurs particulièrement chouette, tout comme les environnements où on sent qu'un travail assez minutieux a été apporté pour favoriser l'immersion. Pour ce qui est du chara-design, on a quelque chose dans l'air du temps, on va dire, avec des persos aux gros yeux, de la ligne claire, et c'est parfois plus ou moins inspiré. Par exemple, je ne suis pas un grand fan du design du Lord Commander ou de Kevin, mais j'ai beaucoup aimé celui de Mooncake, qui est certes très basique, mais animé de manière cool avec tout ce côté rebondissant et caoutchouteux. Et il y a aussi quelques créatures qui ont vraiment de la gueule. Par contre, il faut oublier le générique, qui est lui assez abominable. Et enfin, pour ce qui est de l'histoire en elle-même, j'ai été agréablement surpris par les orientations que prend le scénario. Ça met un peu de temps à se mettre en place, notamment les différents arcs narratifs qui sont d'abord un peu entassés les uns sur les autres, mais qui finalement se rejoignent naturellement et créent un ensemble logique. Et à chaque épisode, le scénario gagne en profondeur, que ce soit grâce à la trame principale qui prend une tournure métaphysique assez cool, avec des questionnements sur l'espace-temps, sur les univers parallèles, mais aussi grâce aux personnages qui vont petit à petit devenir des vrais personnages de fiction, dans le sens où ils évoluent et se dévoilent. Je pense notamment à Avocato, le compagnon de fortune de Gary, ou encore à Queen. J'ai aussi bien aimé le fait que ce soit tous plus ou moins des ratés et des losers qui vont finir par trouver un certain sens à leur existence grâce à cette quête qui les dépasse et qu'ils subissent quasiment tout le temps. Ça apporte un côté tragédie plutôt étonnant, mais qui marche vachement bien. Un peu comme la violence, qui paraît racoleuse au début, mais dont la brutalité fait finalement sens par rapport aux événements tragiques qui s'abattent sur ces personnages en décalage permanent. Par contre, malgré tout ça, j'ai eu jusqu'au bout des problèmes avec le personnage de Gary. Certes, il va évoluer positivement et devenir presque touchant dans son côté pathétique, mais pour moi c'est un peu forcé et ça ne suffit pas à relativiser son arrogance et sa bêtise profonde. Et d'ailleurs à ce propos, et sans trop spoiler, j'ai trouvé assez craignos la finalité de sa relation avec Queen, qui à demi-mot fait tout de même l'apologie du forceur et du gros lourd. Bref, c'est un gros point noir à ce niveau-là. Et si je ne pars pas d'ici, on va tous mourir. Hélène, petite poule. Aouh ! Oh ! Oh ! La vache ! D'accord, pardon, pardon, je voulais dire petite dinde des neiges. Aouh ! Oh, je saigne ! Je saigne !
Vous l'aurez compris, cette première saison de Final Space m'a pas mal fait réagir, et rien que pour ça, c'est assez chouette. Au fond, j'ai apprécié son intention, car on sent que c'est une œuvre de jeunesse, dans toute sa générosité, mais aussi dans ses grosses maladresses. Olan Rogers dit avoir un scénario qui pourrait s'étendre sur 6 saisons, mais n'ayant pas de certitude quant à l'avenir du projet au moment du développement, il a préféré créer 10 épisodes qui ne lui laisseraient aucun regret. Et ça se voit parce que parfois ça déborde, et un peu plus de subtilité aurait été bienvenue, mais c'est aussi ses défauts qui le rendent attachant. Et pour faire une dernière comparaison, là où Rick et Morty fonctionnent beaucoup sur l'ironie, la mise en abîme ou le sarcasme, Final Space, lui, est une œuvre profondément premier degré, et je trouve que de temps en temps ça fait du bien de tomber sur une série comme ça qui n'a d'autres prétentions que de nous raconter une histoire.